eccomi finalmente arrivata a Saint-Émant-les-Eaux, una località termale del nord della Francia, nella regione Hauts-de-France. Siamo a 6 km dal bosco di Resme, dove stasera percorreremo un percorso nella natura per raggiungere il luogo in cui il film La Forêt de mon père di Véro Crasborn è stato girato e in cui questa sera si svolgerà un'eccezionale anteprima proprio lì, tra le stelle. Tra le stelle e gli alberi. Sono emozionatissima perché sento tante energie positive che ci servono per questa lotta, per portare alla luce le storie di noi figli, di mamme e di papà che hanno un problema di salute mentale. J'ai appris, alors là je vais faire un petit peu le savant, mais je viens de l'apprendre, merci Guillaume, que l'histoire en fait entre le cinéma et la forêt, c'est une vieille histoire. Et le premier film en forêt date de 1895. Et en forêt de Magnan. Voilà. C'est une longue tradition et une histoire d'amour entre le cinéma et la forêt. Il y a pas mal de références de films. Aussi ceux qui nous ont vraiment accueillis ici, est-ce qu'on les a squattés? Tu es mon regard. Voilà. Donc la famille Véron, donc Eric, Véronique, Hugo qui est le premier. Voilà, on a fait un petit tour par là quand on s'était rencontrés. Donc ce lieu est vraiment pour moi le retour aux sources. Et un film, il ne naît que parce qu'il est vu. Et donc sa naissance ici en forêt, elle a quelque chose de magique. Alors merci d'avoir dit que ouais, c'était en 1895. Voilà, alors on y va parce qu'après on a faim. Un message que tu voudrais envoyer aux enfants des parents avec des troubles psychiques et leurs familles en Italie, mais aussi à la société civile en Italie. Je veux dire que la lutte elle est juste et que nous avons vraiment besoin de faire naître nos histoires. Je redis, je répète encore, mais je pense qu'on ne le redit pas assez pour que, en fait, on prenne enfin la parole. Le silence, ça suffit. Ho chiesto a Véro se aveva un messaggio da mandare ai ragazzi, ai figli di genitori con disturbi psichici, alle loro famiglie in Italia, ma anche alla società civile italiana. E ha detto, ripete, ribadisce che è il tempo di raccontare le nostre storie, di farle risuonare, e il tempo del silenzio è finito. Io direi grazie, merci Véro, une sœur d'âme, una sorella dell'anima, e on va changer le mondo. Andiamo a cambiare il mondo. End the stigma. Oui, end the stigma. La forêt de mon père, puisque ce film n'est pas mon vécu, mais adapté de mon vécu, avec un papa extraordinaire, un papa atypique, et une forêt dans sa tête. Et le film parle de ça. C'est un film d'amour, c'est un film à hauteur d'enfant, c'est un premier long métrage qui est au bout du chemin, que j'offre à vos regards. Il me sortira en France le 8 juillet. Et je suis assez émue. Et je suis fragile aussi, parce que quand on montre aussi quelque chose qui a pris du temps, voilà, je voulais vous le dire, et je suis très contente de vous le montrer.
tous.